Allez, on fait le cadre. Un cadre qui va faire 45 par 14,5 et la longueur développée était de 119, plus 12 cm de crochet. Voilà, ça donne un cadre comme ça. Là. Après, on met là. Là, regarde, par contre, il faut que tu lèves. Là. Avec ta main gauche, tu dois lever. Et là, avec la main droite, le levier. Voilà. Et là, tu coudes à 90. Ramène toujours ton levier. Ramène-le toujours. Et ben, c'est le faillage de poteau. Non, alors, reste embuté. Tu laisse-le venir contre, normalement. Et là, regarde, là, t'es plus bon. Donc là, maintenant, attends, non. Lâche. Voilà, là, tu te mets bon ici. Là, c'est ton guide à 14,5. Vas-y, mets-toi d'équerre, pour que tu sois d'équerre. Ramène toujours ça, le levier. Voilà, tu le ramènes. Et là, maintenant, tu repères ici, dans le centre. Avec ta main gauche, ici, tu le lèves, pour qu'il soit à la même hauteur que là. Bien plaqué ici, contre. Voilà, c'est ton guide de longueur, lui. Voilà, lève ici, lui. Voilà, là, tu dois passer en dessous. Vas-y encore, d'équerre. Allez, royal. Ramène ton levier. Dans le sens. Quoi ? Ouais, c'est lui, tu poses, vas-y. Tu mets bien bon là, voilà. Vas-y encore, lève. Vas-y encore, ferme plus. Voilà, pas trop. Là, faut qu'on puisse mettre l'armature là ici. Hein? Faut qu'on puisse mettre l'armature. Là, t'as un tout petit peu trop coudé. Là, il y a un petit souci de longueur, j'ai l'impression. Là, ici, il est plus long que ici. Tu vois pareil que moi ? Ouais. Ouais, faut vraiment que ce soit pareil. Parce que sinon, quand tu vas attacher, tu vas un peu tomber. Bon, ok ? 5. Allez, il en faut encore 3 comme ça. Ça va faire. Ouais. Faut que je t'explique ?